Le 18 juillet, désormais, c'est jour de fête à Canfranc. Les habitants jouent le jeu en costume et remontent le temps. Direction 1928, ce même jour, quand les autorités françaises et espagnoles étaient venues inaugurer en grande pompe la toute nouvelle gare internationale. Cette reconstitution se déroule chaque année depuis 8 ans. Elle mêle à la fois le souvenir, celui des constructeurs de la ligne et du tunnel du Somport, et la revendication, celle d'une réouverture de la Pau Canfranc pour que la gare retrouve son activité passée. Il faut se rappeler de ce que cette gare a coûté, de nombreuses années, de la sueur, des larmes et du sang. Mais surtout, avec l'espoir que cette ligne ferroviaire s'ouvre à nouveau entre les deux pays. Cet événement symbolise l'union qui devrait exister entre la France et l'Espagne, car c'est un axe de communication très important. Dans leur voiture d'époque, le roi Alphonse XIII et le président français Gaston Doumergue saluent la foule en longeant un bâtiment qui vient d'être réhabilité, en grande partie en hôtel de luxe, signal d'un nouveau départ pour Canfranc. C'est une deuxième chance pour Canfranc, car nous avons construit récemment aussi des voies d'accès plus adaptées pour le trafic international, mais aussi des aménagements urbains très réussis qui attirent beaucoup de monde. C'est vraiment un moment très agréable pour la ville. Mais derrière les sourires pointe une certaine impatience que le côté français remplisse sa part du contrat. J'espère que prochainement on pourra refaire cette reconstitution. Mais en réunissant les deux parties, en rouvrant la Pau Canfranc. Et une date est déjà dans toutes les têtes, 2028, l'année du centenaire de l'inauguration de la gare internationale.